La Tibonite levé en bois calé. Jean Saté annoncé, eh bien, 7 communes dans la Tibonite décidé rassembler pour bailler bandits dans zone nan cap terrorisé yo, yon leçon peuple haïtien. M'a fait entendre peuple bien de nyon. La Tibonite pas péri. Domino pas péri. Pour les savions. Mouquet. Barabalara, monsieur. Barabalara. Pour ça, moi, je passe. Nous avons rejoint. Ah! Les roguets! Volonté! Gourmand! Pour écraser! Ça vient! Monsieur! M'a fait encore! J'en vois regarder l'image là. La Tibonite, bois calé. Ça vient tête droite. Filez manchette yo. Mettez gasoline nous prêt. Mettez toutes amis yo légal. Faut que ça finit. Et puis bah, opération pété fiel bandit. Nous suspendons courir pour yo. Si l'État pas vle, n'a fait j'en ouvle. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo pas piti dans la Tibonite. Rappelez ou nan jou passé yo, plus passe 6 policiers te assassiné. Commissariat fermé. Malgré ça, population pas suspendre relais. En moins, c'est qu'on fasse ensemble avec base grand griffe, passer pour un cocorate sans race qui pas suspendre terroriser yo chaque jour kidnappé. Mais bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré ça, l'État ferme gel complètement. Donc, population qui m'a dit c'est couyo accusé responsable l'État yo parce que yo pas jamais fanyé yo pas jamais passé la police l'ordre pour yo mener opération malgré 7 policiers te mouri en bas. Et bien peuple haïtien, dernier moment yo la moun la Tibonite dit FIFINI, c'est dernière fois pour bandi rete pour yo caler koyo en bas la Tibonite puisque yo même yo besoin travail, c'était yo kon planté bandi yo empêché yo. Donc face ensemble avec problème insécurité ya, moun ba la Tibonite peuple haïtien décidé camper en bois calé, yo invité tout citoyen filet manchette yo, mettez ti gasoline yo prêt, mettez toutes armes légales, faut que ça fini. Et rappelez ou te gen gros réunion qui te fait nan jou passé yo, tout gangan ensemble avec président Champouel te réuni pour faire gros cérémonie mystique, yon façon pour faire interpellation rele loyo pour mande force à courage pour bataille la capable réussi. Pierre Espérance méritait un bon bois calé. C'est pas bois calé, wawot, non, son bois calé 5 et 10 matin, les laouzés a tombé, les coqs a chanté devant jou. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, selon déclaration, défenseur de Wamouna, commissaire Miskade, c'est un petit délinquant. C'est un petit vacabon qui a fait des ordres. Parce que commissaire a arrêté divers membres gang 4x4, qui affilié ensemble avec Neg Timakakio, selon déclaration Fednel mon chéri, qui présentait devant la presse ensemble avec Preuve. Pour plus de détails, peuple haïtien, on nous tendait ensemble.
Pierre Espérance, c'est membre gang Timakap. Oui? Claire. Ça qui passe, avait dit ou jouen cahier secrétariat? Non, je comprends rien. Pierre Espérance, c'est membre gang Timakap. Sous qui base ou fait déclaration ça? Là où monsieur dit que commissaire Muscadin sont malandrins, mais c'est un brigand, j'en dis là, son délinquant. Son façon là fait pour cacher tête lui. Comment ça, ça passe? Qui est attention, monsieur même? Comment commissaire Muscadin fait malandrin? Sous qui base les campés pour le faire déclaration comme ça? Parce qu'il n'est pas content de nos commissaires dans le rôle, il n'est pas content de nos commissaires dans libérer gang, etc. Sous qui base, ça qui passe? Muscadin a arrêté deux ou trois membres de gang 4x4 qui affiliés avec gang Timaka. Nous avons raison de faire ça. Dans toute conversation, Grégory Libéry dit c'est Pierre Espérance qui mettait le dormi la caille. La faille dans le Kendi, c'est Grégory Libes qui menait le bail Pierre Espérance. Dormi 3 mois la caille, ensemble avec un Dominicain qui est Minguel Antonio. Felipe Minguel Antonio, qui dormit la caille Pierre Espérance. L'homme dit Pierre Espérance, c'est même gang Timakak. Mais bien, mes dossiers sur Muscadin et sur l'autre citoyen encore qui n'ont plus ton ville. Ils jouent Black Machine, Fleurival Mendy, qui c'est AAA 17412, qui c'est plaque machine, directeur Bisret. Tout le monde qui côté Bisret est mort. Il y a une plaque machine ça. Ça là, même là. AAA 17412. Tale. Ça veut dire là, Yvon Bisret, qui te boule dans la boule, mais c'est Timaka qui te boule. Yo jouen plaque machine nan, nan men nèg Pierre Espérance. Mais, c'est quoi l'histoire donc? Ça qui arrive sans 4 litres à mener, comment se fait-il? Yo une plaque machine ça, nan qui machine? Nan machine, Félix Valmendi, Grégory Lévis. Tout ça là, aller dans le DCPJ, c'est inscrit, déclaration, moun savé. Une machine qui était planifiée, participer dans le massacre d'El Matin 2 avec tout nom nous comptons de yo. C'est SE04086. Le monde qui a piloté machine ça, c'est Patrick Joseph. Et nous disons, si nous voyez mon d'abord. En la justice. Avec tableau ça. Il résume tout Zach Malandrin ça fait dans le pays. Ok, délinquant. Le délinquant dit, activité réalisée par le délinquant de la République, Pierre Espérance, ou Espérance Pierre, comme tous mes deux noms, chef gang 4x4, secrétaire général RNDDA, qui est une association criminelle. Donc, document ça, il est disponible, il est sous réseau, tout le monde qui a une copie, et si vous avez un qui ne me dit pas, qui pas vrai, quel que soit mon nom, sauvez-moi. Je vais la juste avant. Et si je suis coupable, mettez-moi dans la chaîne sans salle. Donc, dans ce sens, ça nous dit que nous-mêmes, on va faire bac sur le dossier. Et nous demander pour que la justice fasse lumière sur tout ça qui fait massacre. Donc, dossier Jovenel Moïse, pas oublier tout dit que c'est dans le tribunal de première instance la mort Jovenel commencé. Mandat que juge Nelsius était planifié, Jean-Roger Nelsius, que commissaire gouvernement et au port de Ronzuila te préparé document, nous-mêmes ça nous fait, nous voulons requête by juge Voltaire, Walter Voltaire, qui sous dossier Jovenel Moïse. Donc si tout ça nous dit là, il dérange quel que soit le monde, on va bien faire tapage sur la radio, sur les réseaux sociaux, manipuler les gens, ne parler pour vous, faire des barrettes en bas. Même venir avec tout comme tout entier. Mais en face de l'expérience depuis 3 ans, et puis demander pour que lumière fasse. Donc là, nous décortiquons tout le bagaille, ou après que RNDDH était là, tout massacre qualifié.
même là, moi, je viens planifié là. Massacre de ma 32, planifié là. Témoin là, cassette là, déclaration faite déjà dans le DCPJ, et déclaration ça a été faite tout côté en dedans pays et l'international gagné. Et nous concluons pour nous dire que Pierre Espérance c'est un délinquant, son voyou, son voleur, il vole le téléphone de Chelson. Nous sommes impliqués dans un paquet de bail sale, ils kidnappent Chelson, et ils font un paquet d'autres actes encore en dedans ça. Et nous disons qu'il faut une lumière faite. Et l'autre semaine, nous sommes venus là, nous allons faire une conférence de presse. Nous allons mettre Pierre Espérance face à des situations. Il a arrêté gang M. Pétionville, des témoins, des témoignages. Il a arrêté Fleurival Mendy dans ce match, qui est un plus gros kidnappeur qui est dans l'équipe là. Et lui-même, il fait kidnapping. 5 kidnappings par année pour vivre. Et dernier kidnapping qu'il fait, qui mène dans le pays blanc, il extrade, il a kidnappé 3 employés. PAM, Programme Alimentaire Mondial. Et moun sa été bagé quoi? 120 000 $ américains et 20 000 $ pour espace côté de serré moun. Espace ça, son espace de l'expérience qu'on est en pile, il fait quand il souvent, il fait photo à monsieur Sayo. Tête chargée, à la traka pour la veka été papa. En bas ciel blé pays d'Haïti a gagné, ou papa ici? Et même Fleury Valmen dit ça, nous allons tourner avec lui devant. Et il y a des déclarations qu'il a faites. Il y a extradé Fleury Valmen, nous allons date là, 12 avril. Jean-Louis Révolus, qui sont un citoyen haïtien, la DCPJ lui témoigne contre Pierre Espérance. Pierre Espérance planifie le massacre d'El Matin. Espérance exécuter massacre de Matel. Et nous gagnons toute déclaration ça vous fait dans le CPJ. Et ça qui est intéressant dans sa Espérance, comme délinquant, voyou, kidnappé, volé, assassin, nexot, analphabète sonore, ça le fait, la lakay moun yo, la souhaite yo condoléance. Donnez, vous avez un degré de criminalité cacaonel, la lakay fominé, si bien Diego, ça va de la DCPJ, si vous venez de si menti, arrêtez. Ah bon, ça veut dire là, il finit de planifier massacre là. Il exécute massacre là. Après ça, là, les caïmoun yo encore, il a souhaité aux condoléances. Non, mais c'est son bon lougaou. Mais c'est son bon lougaou. Un lougaou à talent, papa, ici. La soumette moun yo condoléances. Après le film de yo, pour souhaiter aux condoléances, on va dire, côté plein toujours Jovenel Moïse. Pour massacre d'El Matin. Et ça qui est intéressant pour songer, DCPJ gagne, il y a deux machines l'État qui participent dans le massacre. Il dit tout bas nous claquer là déjà. Deux machines l'État qui participent dans le bagage ça, moi je compte la plaque là déjà. Pour qui ça demande de pouvoir prendre le prisonnier Moïse, parce que c'est une façon pour qu'il a dit sous deux journaux, et que c'est lui-même qui fait. Il n'y a pas de rapport. Mais s'il te fait rapport, tu as parlé de nous qui Magali habitant avec Jean-Marc. Bon Dieu pour nous, il n'y a pas de temps et nous dénoncer. Il n'y a pas de blanc blanc rapport à tout parce que DCPJ gagne toute information. Ça y est. Le témoigner et tout bagage ça y est inscrit, enregistré dans la déclaration que les citoyens ça y est fait dans les cités. De 2004 à 2023, Pierre Espérance prend malin plaisir pour faire faux rapport sur nous, faire mentir sur nous. Et il fait rapport sur le monde qui est dans le DCPJ, qui est Chile Bidor. Ces rapports sont faits en 2009. Les grands journalistes d'éléments qui ont fait Chelbert, il a des rapports. Et il dit, le rapport a dit, 850 000 $ américains que si les leaders étaient chippés, l'agent drogue, c'est drogue. Par la suite, même si les leaders avaient une bras droite pour l'expérience, dans le massacre de Matin. Vous comprenez? Qui moun? Ça veut dire que les leaders ont participé dans le massacre de Matin 2? Mais c'est quoi l'histoire de ce petit pays là-haut? Hey! Pourquoi il va mentir, monsieur, a fait sous.
Bon, comme étant donné, ce magicien rival nous y est. Nous voulons même degré, gérer causer nous. De CPJ, s'il vous plaît, faites travail ou dans le dossier. Parce que là, papa, ici, franchement, le dossier commence à confuser. Non, politique la confuse moi. Organisation doit moun, moun qui dit y a défend doit moun dans pays d'Haïti doit commencer confuse moi franchement. Il est pas comme malentrain, comme vagabond, comme voyou. Il pas faut qu'un rapport sur massacre de matin de zéro rapport. En 2023, il était planifié pour créer des zones dans pays ça pour te emmerder Jean-Jacques Rondi là, président et premier ministre, pour te kidnapper 10 de nous-mêmes. Tout ça dans le CPJ et plainte déposée déjà dans le tribunal de la commission de Port-au-Prince. Lui mandé pour que le gouvernement, pour le tribunal comme instance, pour le commissaire gouvernement, enterrer le rapport ça sans suite. Heureusement, le commissaire a compris ça. Même si M. Vinagé a un dossier sur le commissaire, heureusement, l'État comprend la situation. Ça a gagné des commissaires qui disent qu'il a décliné la fonction. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'as pris des déclarations et Fednel, mon chéri, je suis capable de dire, magicien rival Pierre Espérance, depuis un bel bout de temps, qui a dénoncé Tipien dans une série de actes malhonnêtes dans le pays d'Haïti, un ensemble de massacres qui étaient faits sous ancien président Jovenel Moïse, kidnapping, pour citer ça seulement. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra kakara. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pays a des problèmes sécurité, il y a des problèmes route, il y a des problèmes famille. Tout le monde a des problèmes, problèmes éducation. Habitants a plaigné pour l'appli, l'appli tombe, pas de canal irrigation, l'appli a vindou nou insécurité dans le col parce que l'eau pas canalisé, le passé, le crase jardin. N'a plaigné pour sécurité, on série de tout les gang qui passait en bas manchette ouais nous relamoué donc pays a un petit genre compliqué difficile des fois l'état qu'on paye une série de professeurs ou pas jamais le travail dans l'école l'état il a le travail dans l'école privée c'est nous toutes qui coquet en tout cas m'espérer chaque monde n'en branche pas yo prend conscience de état yo pour que nous capables retirer pays à dans salier là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas oublier dans jou kap vini yo la, aïe aïe aïe, bon Dieu, fou ko pral mette kose nan bol. Non, pral gon bom nan la République. Et bom sa, ma pose tête mwen question, qui est-ce kap kakemel? Continuez abonner, continuez partager, continuez rete connecté ensemble avec plateforme Paola, qui se tak 609 tout haïtien connecté, pour pas rater, nap vin sou. Et n'a privé sous un grand monde. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller quitter ou n'a pas papa bonjour parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou pas la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas m'se fou. Mouah. Bisous, bisous, one love. Bon vendredi. Et non seulement ça, tout. Bon week-end. Donc, commencez à préparer ou et protéger tes tout. Continuez à filer manche tout parce que vous connaissez. C'est ou même qui pou faire ça pa gen pièce moun k'ap voyage gade ou si pote voisin ou na moi remen ou pile bisou bisou n'ap croiser.